concept de bar-brasserie inspiré des pubs londoniens. C'est un concept qui existe depuis 1989, qui se développe en France, sur tout le territoire, donc depuis 1989, sous forme de franchise et succursale, puisque nous sommes également succursalistes. Un candidat à la franchise, il vient de différents horizons, il c'est soit un professionnel de la restauration, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment, mais c'est également des reconversions, un cadre commercial qui décide de se reconvertir, de changer de métier et de se lancer dans la restauration parce que c'est un métier qui l'attire. Voilà, donc ça vient de tous les horizons. Nous, on demande à nos franchisés d'être impliqués pleinement dans l'exploitation de l'établissement. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout un métier d'homme, que l'accueil de la clientèle est important, que le management du personnel est important. Et par conséquent, en tous les cas, sur les 2-3 premières années, il faut véritablement une implication du franchisé. C'est-à-dire que c'est pas forcément ouvert aux investisseurs qui souhaiteraient exclusivement ouvrir sans s'impliquer personnellement dans l'affaire, parce que c'est pas si simple que ça. Alors concrètement, nous avons un mois de formation pratique et théorique qui concerne aussi bien le franchisé en tant que tel, mais également le directeur d'exploitation, le chef cuisinier, le barman et l'ensemble du personnel. Voilà. Et il y a également un accompagnement à l'ouverture, avant l'ouverture, pendant l'ouverture, avec des personnes qui viennent du siège, qui sont dédiées, qui sont des spécialistes de la restauration, une personne en cuisine, deux personnes en salle, et qui accompagnent le lancement de l'affaire pendant quelques jours, pendant exactement 4 jours pour être précis. Nous avons deux réunions régionales par an qui se passent, qui sont essentiellement là pour parler du marketing, des animations, présentation de toutes les opérations des 6 mois à venir. Et puis nous avons non pas une association de franchisés, mais ce qu'on appelle un comité de coordination qui réunit des franchisés qui sont élus par leur pair. Et c'est un peu un organe décisionnel, ou en tout cas un outil de dialogue entre le franchiseur et le franchisé. Je pense que c'est un réseau à taille humaine. C'est un réseau avec une forte proximité entre la tête de réseau et ses franchisés. C'est un réseau qui joue la transparence avec les franchisés. C'est un réseau avec une tête de réseau qui est de parole, qui tient ses engagements. Et c'est certainement ce qui fait, je dirais, la bonne ambiance de notre réseau, Marenco.